Des informations indiquent la mort de 7 civils entre Sahraouis mauritaniens dans la zone de Mijek, dans les territoires libérés de la République arabe sahraoui démocratique, à l'est du mur de la honte marocain. Les 7 civils auraient été la cible d'une attaque au drone de combat. Rappelons que ce procédé a été utilisé à plusieurs reprises par l'armée d'occupation marocaine contre des dirigeants du Front Polisario. 3 civils algériens ont également été lâchement assassinés de la même manière alors qu'ils étaient en route pour livrer des marchandises en Mauritanie. L'assassinat de civils à l'arme de guerre constitue un crime sanctionné par le droit international. Le régime du Merzen continue ainsi sur ses dérives criminelles. L'utilisation récurrente d'armes sophistiquées contre des civils par l'armée d'occupation marocaine et ses alliés constitue un grand risque pour la paix et la stabilité dans la région, menacée par la politique belliqueuse de la monarchie expansionniste. Cette technique, particulièrement meurtrière, a été expérimentée à grande échelle. L'année dernière, dans la terrible guerre du Karabakh, l'Azerbaïdjan y a utilisé des drones de combat turcs et israéliens de façon intensive contre de multiples cibles.